ça et ça, c'est la même chose. Ou est-ce que ce qui est derrière moi raccorde plutôt avec ça? Donc là, il y a un coin sensible, j'aimerais bien que tu te mettes un peu ici. Hein, c'est un peu sableux ici, tu vois. Mmh. Tu sens, hein, c'est un peu plus grossier. Là, je pense qu'on est dans le niveau du dessous. Par rapport à, oui. par rapport à ça, là où j'ai les fesses. Je trouve toujours du plaisir, un vrai plaisir à venir à Étiole et à fouiller sur ce site. Bon, évidemment, je prêche pour ma chapelle. J'estime que l'intérêt scientifique est encore grand. Mais plus que l'intérêt scientifique, pour moi, ça reste un plaisir de découverte. Chaque année, j'ai l'impression de me rapprocher davantage des Magdaléniens. Il n'y a aucune trace écrite, bien sûr, puisqu'on est, des millénaires avant l'invention de l'écriture. Il y a des restes de campements qui consistent en silex taillé, en pierre brûlée, en foyer, en restes de la faune qu'ils ont chassée. Et grâce à tous ces restes et à la manière dont ils sont organisés, bien, on peut reconstituer leur mode de vie. Les Magdaléniens, ils ne devaient pas s'appeler Magdaléniens. Voilà, ils ne savaient pas qu'ils étaient Magdaléniens. Ce sont les préhistoriens qui les appellent Magdaléniens. Eh bien, ils sont venus ici parce qu'ils étaient assurés de trouver du gibier, d'abord, pour se nourrir. Et ils étaient assurés également de trouver ce qui constitue la matière première de leur équipement, c'est-à-dire du silex. Du silex de très très bonne qualité, qui leur permettait donc de débiter des outils. Des outils en silex, donc matière première plus gibier, plus endroit peut-être très agréable, voilà, donc ils sont venus ici à plusieurs reprises. Maintenant la ville a gagné cette partie de la vallée de la Seine, et on voit d'ailleurs les immeubles qui dépassent à l'horizon sur l'autre rive de la Seine, qui sont les immeubles de quartier des Tarterets, où on a aussi fouillé, retrouvé des occupations magdaléniennes dans les années 70, tout à fait comparables à celles que l'on trouve à Étiole. Bah, il y a une cheminée d'usine, voilà, qui est abandonnée. Donc sous cette cheminée d'usine, bah, il y avait des chasseurs il y a 14 000 ans. Moi, je trouve ça intéressant, au contraire, d'avoir cette durée historique sous nos pieds. Et le site d'Étiole, donc, est dans un contexte tout à fait classique, en bordure de Seine. Dans la plaine inondable, et on retrouve tous les niveaux magdaléniens enfouis dans les limons d'inondation de la Seine, sur la rive droite de la Seine. À chaque crue, le limon était déposé doucement et recouvrait les vestiges qu'abandonnaient les magdaléniens, et ça les a protégés. Voilà, donc il y avait le niveau là, et voilà le niveau des 71. Oui. Donc on est dans la zone. Isabelle ? Oui ? Tu te souviens à quelle altitude il est le foyer là ? Je peux le marquer. C'est ça ? Le foyer est J64, enfin, je l'ai marqué. Il y a le niveau archéologique et le niveau sédimentaire. Donc entre les niveaux archéologiques, il y a des dépôts sédimentaires. Donc il y a eu sans doute passage de l'eau avec du sable et du limon, donc des alluvions qui se sont déposées. Je trouve ça absolument extraordinaire. Cet enregistrement, cette conservation des niveaux archéologiques par une sédimentation très fine, très lente. Je m'intéresse aussi au contexte dans lequel ont vécu les hommes. Donc il y a cet effort, non pas seulement de stratigraphie et de chronologie naturelle, il y a cette tentative de reconstitution du milieu dans lequel ont vécu les hommes. Nous étions dans un espace qui ressemblerait peut-être aux rives de la Loire actuelle, c'est-à-dire un fleuve non aménagé, encore que la Loire soit très aménagée, et où nous avons encore beaucoup d'espaces où il y a des sables, des limons, peu de végétation.
curieusement, les hommes ont recherché ces milieux. Ils se sont vraiment, la civilisation du Magdalénien supérieur est installée dans ces milieux. Mais ils sont très connus, les Magdaléniens, c'est la plus belle et la plus prospère, si je peux dire, de toutes les cultures préhistoriques et des paléolithiques supérieures. C'est des gens qui ont vécu dans les grands derniers froids. Ces gens-là, ils se sont répandus un peu partout en Europe. Il y en a partout, il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne. Bon, Magdaléniens, c'est presque extra-culturel. On en a un petit bout, là, ici. Puis il y en a un grand bout en Périgord, il y en a un grand bout dans les Pyrénées, il y en a un grand bout en Espagne, et ainsi de suite, quoi. Tout est confronté à la qualité des documents que tu reçois. Et c'est presque, j'allais dire, épidermique. C'est-à-dire, ce que tu vois, ce que tu comprends en pied, moi je me rappellerai toujours du premier grand foyer, avec le coup de cheval appuyé sur deux dalles, qui était devenu évidemment un squelette, hein, qui était une série de vertèbres, mais qui à l'origine était un cou entier, puisqu'il tenait bien sur ses dalles. En dessous, la cuvette, autour, les autres dalles qui formaient le foyer. À un moment donné, c'est comme si j'étais magdalénienne. Le contact épidermique, physique, était tel que ça bouleverse. Ça fait passer les millénaires, je ne sais pas comment dire. Bah, le feu avait un rôle fondamental, tant du point de vue matériel, parce qu'il servait à chauffer les aliments, à fabriquer certains produits, mais aussi un rôle probablement social. C'était le lieu central, si je puis dire, de l'habitation, là où se réunissait la cellule familiale, puis probablement aussi un rôle symbolique. Est-ce que le foyer, c'était l'endroit où pouvait être protégé tous les mythes et toutes les croyances? Peut-être, c'était l'endroit de la réunion, c'était focaliser les histoires, les légendes, etc. On peut broder là-dessus infiniment. Il y a des tas de choses, il faut bien le dire, qui nous échappent. Leur langage, leur rituel, leur... on n'en connaît pas grand-chose. Tous les contes, tous les mythes qu'ils pouvaient avoir, on ne connaît rien de tout ça. Donc nous, on s'accroche à ce que les ethnologues considèrent comme des bribes assez pauvres, qui sont des éléments de leur culture matérielle. Et avec ça, on essaie de donner de l'étoffe, de la chair à ces Magdaléniens. Donc quand on a fouillé un niveau sur une surface assez large, on fait une couverture photographique et on démonte sur photo, mètre carré par mètre carré, comme ça. Hein. On utilise les plans pour démonter soit des pièces trop hautes, soit qui ne correspondent pas véritablement à un niveau ou qui nous empêchent d'atteindre le niveau vraiment. Donc on les démonte sur plan. Je ne vais pas faire une photo verticale pour 2-3 pièces. Tu vois. Mais quand on... Quand on estime que le niveau est atteint, donc on fait la couverture photo. Voilà, ben tu peux t'asseoir sur la planche là. Alors, le principe, Abdel, quand on démonte sur la photo, c'est d'enlever une pièce, quand on enlève une pièce, de gratter tout de suite pour savoir si on trouve quelque chose en dessous. Comme ça, tu as tes repères. Hein. Et il faut reconnaître donc si c'est un éclat, une lame entière, un fragment de lame, et si c'est un fragment de lame, si c'est un proximal, un distal, etc. Est-ce que je pourrais avoir une altitude, Anna, s'il te plaît? Anna? Can you give me a Z, please? Ici, tu la tiens? 453. Alors, ensuite, tu vas en prendre une là. Voilà. 54, 454. Ok. Alors, je vais te donner ça et ça. Tiens, je te le laisse reconnaître. Tu me dis ce que c'est ? Un proximal d'éclat.
Tu es sûr qu'il est proximal? Oui, ça recule. Oui. Mais tu es sûr qu'il est cassé alors? Je précise ma question. Non, il y a le problème de percussion là. Oui. Mais est-ce qu'il est cassé? Si tu me dis que c'est un proximal, c'est que c'est un fragment d'éclat, qu'il est cassé. Et talon filiforme, il n'y a pratiquement pas de talon, ça veut dire qu'il a tapé très très près du bord du plan de frappe. Donc petit éclat, allongé, cortical, talon filiforme. En forme de fil, quoi. Qui a l'épaisseur d'un fil. Alors maintenant que j'ai ça, tu vois, j'ai l'empreinte de l'éclat là, je gratte tout de suite dessous. Comme ça, si je trouve un autre silex, je sais parfaitement où il se situe. Ça, c'est un des rôles importants du site d'Étiole, c'est un chantier école. Donc on reçoit ici chaque année des stagiaires qui sont des étudiants en archéologie. Beaucoup de l'université de Paris 1, mais aussi quelques-unes d'autres universités françaises ou étrangères. Et ça, on y tient beaucoup. Alors évidemment, ça ralentit un peu le rythme de travail, mais on tient beaucoup à cet aspect du site, la formation aux générations futures, aux futurs archéologues. Prox de lamelle, proximal de lamelle. Je me garde à ta place. Tu vois, j'ai accentué la cuvette encore un petit peu. Mais tu peux l'accentuer encore, hein, ici, dans cette zone-là. Encore un peu, tu vois. Ce qu'il y a à transmettre aux fouilleurs, c'est surtout une perception de terrain, plus que des gestes. Normalement, on peut le faire à une main, comme ça, ou alors pour se donner plus de force, à deux mains. Et en fait, le but, là, c'est toujours en fouille fine, mais quand même d'essayer le milieu et que ça ne dure pas trop longtemps, en fait. Donc là, en fait, j'avais surtout les bosses. Et je ne fais pas encore très attention à avoir une courbe bien, enfin, une belle pente. Ça, je ferai ça après, quand j'aurai bien abaissé le milieu. Le geste est extrêmement important en archéologie, enfin, quand on fouille, parce que enfin, un geste de trop va peut-être casser un os ou déplacer une pierre parce qu'on n'aura pas bien regardé tout ce qu'il y a autour de nous et du coup on va donner, en essayant de se placer, on va donner un coup de pied dans une pièce qui va se déplacer. Au début, quand la première fois que j'ai fouillé, j'avais un peu peur de quand je trouvais quelque chose, j'avais peur vraiment d'y aller et tout ça, mais on nous a dit n'hésite pas, élargis autour et tout, mais c'est vrai qu'au début j'avais un peu peur de fouiller. Et puis après on fouille, on y va, on n'hésite pas. Je suis assez maladroite. Et là, par exemple, le premier jour, j'ai marché bien avec tout mon cœur sur une pièce qui était en place que j'avais perdue. Même si c'est les mêmes gestes, ils sont tout le temps différents et en fait, je trouve qu'ils sont pas répétitifs. C'est les mêmes gestes, mais qui sont toujours dans le but de faire quelque chose de différent, donc en fait ils changent. Quand on pense à tout ça, on est là, on se dit, purée, il y a 13 000 ans, il y avait des gens qui vivaient là, et on est en train de fouiller en ce moment, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, des fois un peu émouvant quand même. La fouille, pour moi, c'est une émotion. Et après, l'esprit, il est là pour canaliser cette émotion et la réintroduire dans le scientifique. C'est deux personnes par jour qui ne travaillent pas là-bas et qui font la cuisine et le ménage. Donc aujourd'hui, c'est moi. Quand tu discutes avec Yvette, elle peut avoir des points de vue qui seront, enfin,
que nous on n'aura pas, mais je pense que là c'est vraiment. Enfin, parce que question de génération, quoi. Rien n'est plus difficile que de comprendre les autres, et encore plus difficile quand ces autres-là n'ont laissé que quelques pierres pour les comprendre. Si on y réfléchit, bien sûr, enfin, les gestes c'est toujours un peu les mêmes. Parce que quand on fouille, on utilise bien les outils de maçon, etc. Donc, on n'invente rien finalement. Le geste, évidemment que le geste il est essentiel. Au fond, si ces gestes sont organisés, ces gestes des hommes ont été de meilleur en meilleur, mais certainement il y a eu des balbutiements. Et nous les trouvons, ces balbutiements. Nous trouvons des ratés, nous trouvons des apprentissages qui n'ont rien de quelque chose d'extraordinaire, qui sont bêtement humains. Et c'est plus sur l'interprétation en fait. Je pense qu'on est moins. Voilà, c'est pas parce qu'on découvre un truc qu'on se dit oh là là, ça y est, ça va. Je pense qu'on est plus prudent, mais ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. La parole, c'est. C'est plus que ce qu'on en pense généralement. C'est pas la parole qui exprime des idées, c'est pas la parole qui va développer des philosophies. C'est la parole qui dit ce que c'est, qui dit comment faire, qui dit les ratages, justement, qui les explique, qui explique les réussites, qui explique la qualité de la matière, hein, ou au contraire, sa qualité moindre. Hein. Enfin, ce sont les deux axes qui permettent de comprendre, nous, qui nous permettent de comprendre ce que nous ne devrions pas comprendre. Car c'est presque anormal que nous comprenions. C'est presque anormal qu'en regardant un nucléus, on peut dire « Oh, mais c'est un enfant qui a tapé ça, il ne savait pas le faire. » Ou bien, au contraire, dire « Mais cette lame, c'est un prodige. » C'est un heureux hasard, mais non, c'est pas un hasard. C'est une habitude, c'est un apprentissage, c'est quelque chose d'acquis. Je travaille sur le technique, alors c'est moins sujet. Enfin, quoi, ça se discute, mais c'est pas, là, c'est plus des trucs sur l'art ou la parure, où là, on peut faire quand même des interprétations plus. Pour le technique, de toute façon, on est quand même toujours prudent sur. Enfin. Je pense qu'on est tous, d'accord sur le fait que la technique, ça ne définit pas une culture et que bon, du coup, quoique il y en a qui sont capables de définir des cultures avec un truc extrêmement précis dans la technique de taille du silex. Bon, là, je pense qu'il faut quand même garder toute proportion. C'est pas parce qu'on en fait une spécialité que c'était si important pour les Magdaléniens quand même. Non, non, surtout pas avec tes doigts. Je regarde. Non, on est bien là. Je vais à la renverser. Ok, c'est bon, attention à tes doigts. Super, merci. Ça, c'est du silex qui a été taillé par une personne. Fait de ce qu'on appelle de la démonstration de taille du silex. C'est-à-dire qu'il montre au grand public la manière dont le silex était taillé à Éthiopie. Tout ce qui a été taillé par ce démonstrateur, je le réutilise pour mes activités dans l'année. Donc là, je viens de faire mon tri. Marianne, qui fait de l'expérimentation, a fait son tri aussi. Et donc tout ça va partir à la poubelle silex. Quand on est sur le terrain, on essaie de comprendre ce qu'on trouve au fur et à mesure, mais on sait très bien qu'au final, c'est les remontages, enfin, toutes les analyses qu'il y a derrière qui vont permettre de confirmer. Donc on a des hypothèses de travail qu'on émet sur le terrain. On organise le travail, en fait on s'organise pour que ça tourne tous les jours, que tous les étudiants puissent faire toutes les tâches, parce qu'il y a de la fouille très fine. Au contraire, on travaille en haut avec des gros outils pour descendre jusqu'au niveau en place. Donc on fait tourner tous les jours pour que, d'autant plus que c'est un chantier école, ils puissent tous voir ces différentes actions et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se fatiguent le soir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a en fait un reste de bois de cervidé, probablement de bois de renne de toute façon. Et c'est le seul qu'on a sur la fouille actuellement, alors qu'on a un peu partout sur toute la surface des restes d'ossements, du squelette interne de l'animal qui ont été fracturés
probablement pour obtenir la moelle à l'intérieur des seaux. Alors qu'ici, on a donc une partie du bois que portaient les rennes, donc une partie externe du squelette. Et celui-ci, même s'il est en état de conservation qui est relativement bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît la morphologie, c'est-à-dire qu'on peut identifier la partie du bois de renne qui est sur le sol. Ça correspond à un andouiller, c'est-à-dire une des digitations qui sont sur la perche centrale du bois. Et le fait qu'on a une coupe ici assez rectiligne, tend à indiquer qu'on a en fait cette partie-là qui a été supprimée du bois de renne. Ça veut dire que c'est dans l'objectif de produire ou de supprimer certaines parties du bois pour récupérer une partie dans laquelle on pourrait fabriquer un objet. Un objet qui pourrait être peut-être un bâton percé ou produire des baguettes, donc des parties allongées prélevées sur le bois pour fabriquer par exemple des pointes de projectiles. Je reste effarée par l'invention que l'on constate. Alors est-elle le fait d'un individu génial? Il y a toujours eu des hommes géniaux, des femmes géniales aussi. Mais est-ce que c'est ça ou pas plutôt un tâtonnement permanent? Un tâtonnement qui fait qu'on rectifie chaque fois un petit peu et qu'au fond on arrive à faire quelque chose de nouveau et qu'on en apprécie le résultat. Il est certain que ces gens dont je vous parle ont eu de multiples armes grâce aux multiples éclats qu'ils pouvaient évidemment emmancher ou sur leur flèche ou sur autre chose. Ça, mais c'est le génie humain ça qu'on touche là. On touche le génie humain qui a inventé l'informatique. C'est la même source. J'en suffoque quelquefois de ça. Qui a inventé? Quel est l'auteur? Est-ce que c'est des groupes, alors donc ça serait très collectif? Ou est-ce que c'est un génie qui s'est imposé, puis qui a diffusé, qui ne sera jamais? Il y a des sociétés où la femme a un rôle primordial, où elle décide de qui aura les morceaux de la viande qu'elle a découpée. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que sa faiblesse physique, le fait d'être plus menue, plus petite, moins lourde, etc. que l'homme, lui a donné ce rôle subalterne? C'est peut-être l'unique raison. L'homme a toujours eu envie que la femme lui soit subordonnée, comme il a subordonné, je ne sais pas moi, les brebis ou les herbes. Bon. D'autre part, en préhistoire, on n'est pas sûr qu'il savait pourquoi la femme devenait enceinte. C'était pas évident qu'il relie un acte quelques mois avant à la naissance d'un bébé 9 mois plus tard. On n'en est pas trop sûr. On a des exemples en ethnologie aussi où, bien sûr qu'on ne peut pas savoir qu'ils ignorent totalement maintenant, ils ne peuvent plus ignorer totalement. Mais pendant longtemps, ils ont eu des doutes et ils ont attribué à des génies, à des forces mystérieuses, le fait que l'enfant paraisse. D'où le fait que si elle était stérile, enfin si, tout au moins s'il n'y avait pas de rapport humain, les enfants qui ne venaient pas étaient donc des enfants qui étaient dans l'au-delà et qui formaient quelque chose. Moi je crois que le rôle de la femme, on ne pourra jamais le savoir, évidemment. Mais tant que l'effort n'est pas excessif, naturellement, elle ne peut pas transporter toute seule des neuronucléus qui sont ici, mais elle peut s'organiser aussi. On n'a pas, et c'est essentiel pour comprendre le rôle de la femme par rapport à l'homme, on ne sait pas quelles étaient les organisations sociales, collectives. Est-ce que les femmes s'associaient, par exemple, pour découper la reine? Est-ce que les femmes s'associaient pour, au besoin, tailler des lames? On n'en est pas sûr, mais enfin, c'est logique, disons, c'est logique, mais on n'en est pas sûr du tout. Bon, nous, on fonctionne en équipe, on essaie de prendre des décisions collectives, chaque fois qu'il y a un choix à faire. Sur l'avenir, par exemple, pour les 3 ans à venir, ben, on va en discuter à plusieurs, là. Non, c'est pas ça. Non, ce que vous dites des fractures thermiques, c'est ces trucs en coin, comme ça. Comment ils évacuaient les pierres brûlées dans l'habitat, quand ils nettoyaient les foyers.
et de faire des liaisons entre différentes aires de l'habitat. Voilà, surtout en ça que c'est intéressant. Comme nous, ces Magdaléniens ne faisaient pas n'importe quoi, hein, n'importe où. Ils avaient une manière d'habiter, comme on dit, au sens large, qui leur est propre. Une manière de situer leur foyer, une manière d'organiser l'intérieur de leur tente, une manière de s'activer autour des tentes. Ça, c'est souvent propre à une culture. Il peut y avoir des lieux qui sont pas tabous, mais qui sont des lieux où va tailler, par exemple, un endroit où va tailler le bon tailleur, et le petit jeune là qui s'exerce, non, il n'a pas le droit d'aller là, il faut qu'il aille ailleurs, lui. Bon, c'est proprement des comportements culturels. Voilà, ce sont des comportements culturels. Je crains la préhistoire dans son imprécision. Je crains le champ des possibles qui ne sont pas démontrés. Je le crains beaucoup. Parce que ça gâche tout. Ça gâche tout. On peut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut dire n'importe quoi. Je peux raconter, je ne sais quoi moi, comment une jeune femme a rencontré son chasseur, etc. J'ai assez d'imagination pour ça. Et tous, on a assez d'imagination. Et puis, il y en a qui affirment des choses sans fondement, qui gâchent tout, qui viennent tout, qui brûlent tout. Non, c'est ça, j'ai peur. J'ai peur parce que la préhistoire en tant que science donne terriblement prise à l'imagination. Et on est du préhistorique, en quelque sorte. On en est. Donc, on est capable de l'expliquer. On se dit, je peux l'expliquer. Mais il faut avoir fait un peu d'ethnologie et s'apercevoir de la variété extraordinaire des différentes sociétés humaines. Et c'est pour ça que je suis collectif. C'est parce que ça permet de prendre conscience vraiment de ce qu'il peut y avoir à la fois, bien sûr, d'éternel dans l'homme, puisqu'il ne l'est pas.